Bonjour Clémence. Bonjour Marc. Est-ce que tu peux nous dire dans quel appartement on est aujourd'hui ? Ici, on se trouve sur l'avenue Victor Hugo, dans un bel immeuble haussmannien, au 7e étage, d'un appartement qui fait 88 mètres carrés et qui appartient à l'une de mes propriétaires. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire ? Je crois qu'il est vendu. Donc l'histoire de cette vente et même avant ça, l'histoire de ta rencontre avec la propriétaire. C'était pendant une matinée de prospection. J'ai rencontré quelqu'un dans le hall de l'immeuble, car je savais que cet appartement était déjà à la vente depuis plus de 6 mois. Et elle m'a donné les coordonnées de la propriétaire que j'ai contactée. Elle était un peu réticente à me donner un mandat. Finalement, elle m'a fait confiance et on l'a vendu en 1 mois. On a parlé de cet appartement, on a parlé de cette vente. Ben maintenant, on va parler de toi. Est-ce que tu peux dire depuis combien de temps tu travailles chez Engle & Völkers ? Ça fait 1 an et demi que je travaille chez Engle & Völkers. Et qu'est-ce que tu faisais avant ? Avant, je terminais mes études en marketing et stratégie commerciale. Puis j'ai fait 6 mois de road trip en Amérique du Sud. Et puis j'ai eu envie de me lancer dans l'immobilier. Donc je me suis dit, allons-y. Donc finalement, c'est ta première expérience professionnelle ? C'est vrai, effectivement. Mais j'ai eu l'occasion d'avoir une formation quand j'ai commencé chez Engle, qui m'a permis de me mettre complètement dans le bain directement. Et on m'a vraiment accompagnée au début dans ce métier. En quelques mots, qu'est-ce que t'apporte ton métier aujourd'hui ? Le métier de conseiller chez Engle & Völkers m'apporte de la liberté, tout d'abord. Parce que les conseillers sont indépendants et pas salariés. Et du coup, tu es ton propre patron. C'est toi qui planifies tes journées. Et surtout, c'est toi qui planifies tes rendez-vous et qui crée cette relation avec tes acquéreurs et tes vendeurs. Merci Clémence. Je t'en prie Marc.